sommes tout de même partis pour cette, ce T2 de Winner. Nous avons donc deux joueurs de Luigi. Ça va essayer de se zéro tout sur la gueule, ça va grave, ça va taper dans tous les sens, ça va être bizarre, mais ça va être drôle. Avec un maximum de misfire et de tornades, on espère. En tout cas, c'est parti. Le premier grab qui est trouvé du côté de Kenny. Peut-être une belle conversion, 73% déjà. Il va commencer l'edge grab. Peut-être essayer d'edge grab parce que c'est exploitable, Luigi, mine de rien. On va mettre les petits hitbox, on va mettre les petits coups sur le côté. Et la SD Dasher, le lead qui est pris par Kenny. Let's go, l'upset, hein, on y croit. Non, c'est très serré, Pentox, Iban. Tout le monde, je crie fort, mais c'est pas pour, pour le match en série. Alors, là, joli lead. Ça commence à gratter du côté de Dasher. On va remonter. En théorie, il part gagnant sur ce match, mais tout est possible. Hein. C'est Luigi, ça va très vite. Ah, c'est acquis de personne des deux côtés, Iban. Ok. Voilà, dinguerie. Personne ne va avoir un double Luigi quand t'as ça à côté, quoi. C'est des gros tas qui se tapent comme des bâtards, ils ont 120 pour cent. Regarde absolument pas le match. Mais je m'en fous du match, c'est double Luigi. En tout cas, Dasher il revient trop trop bien dans la game. Et Pentox aussi, mais c'est pas le même. Et il se fait encore fumer, mais Kenny qui a le lead par contre. Hein. 152 à 147% les refs, dernier stock. Putain, sa bille qui clanque, mais quoi. Si. Là, c'est parti en neutral. Oh, mais c'est... qu'est-ce que t'as joué à Steel qui trouvait la porte de Pentox. Ok, on est parti sur la game. 83% du côté de Dasher, 0% pour Kenny. Ok. Bah franchement, Kenny s'en sort très bien. Là, ça pourrait être la game de prise. Ici, ça pourrait être un upset qui serait très joli. Donner qui est tenté. Ici, et il tue. Et il tue. Et 1-0 pour Kenny. Dasher va devoir se réveiller et proposer un niveau de jeu un peu plus élevé et moins de SD pour pouvoir essayer de prendre ce set. Ibadev contre Arpro. Oh là là. Du coup, on va lancer notre match ou pas? Du coup, comme les Vatax en joue ouais, bon, je vais vous laisser du coup. En même temps, j'ai pas envie de casse toute merde donc. Oh, j'ai rien dit, c'était stylé. C'était stylé, j'ai kiffé, c'était sexy. Et Dasher qui pète la gueule à Kenny là. Hein. Je vous laisse avec Pentox. Bien, bonsoir à tous, ici Pentox, le King Carol du Sud-Ouest, pour vous commenter ce Winner Round 2 Best of 3 entre Dasher de la GK13 et King Sweatshirt. Et on a un Vito Luigi. Bon, bah, on peut dire un duel de crayons, de mangeurs de crayons, que ce soit le pôle, toutes les mines, tout. Donc voilà. Il y a combien là? Vous êtes. C'est pas ce que je préfère, mais allez. Il y a Sarah qui avait suggéré un Ditto Kazuya, mais bon. Ditto Kazuya. Et puis quoi encore, un Ditto Samus? N'importe quoi. Je pense que t'as toutes tes idées, Sarah. Bon, allez. Donc on est reparti pour cette, j'ai envie de dire, triste game 3 entre Dasher et Kenny. Bon. Pour l'instant, bah, c'est un Ditto Luigi, hein, donc ça se cherche, ça spam des combis. On a un premier grab trouvé de la part de Dasher et bah, il finit sur un B qui ne tue pas. Voir comment Kenny pourra... Non, il pourra rien faire. Hein, j'ai oublié que Luigi possédait un smash aussi fumé que celui de Mario, plus ou moins. Écoutez, je reconnais pas la musique. J'ai pas reconnu la musique à Xorion, donc je crois que tu me dis, faudrait que tu me dises, parce que moi je vois pas ce que je sais, j'entends pas. Là j'ai deux Luigi qui sont en train de se vanner en plein set, donc bon. Écoutez, l'ambiance n'est pas là. Voilà, il y en a un qui vient dire arrête à l'autre, donc bon. Je pense que là on est plus en train de réunion de copains de longue date, et surtout de même perso. En attendant, ça spam les deux. Voilà, l'exécution. Monster Hunter. Je sais pas s'ils ont mis des OCST de Monster Hunter dans le jeu. Ça sonne Monster Hunter, mais j'en ai aucune idée. Et. Dasher qui perd sa première stock face à un edge card, ma foi, très audacieux. Voilà, ça va être l'enclé grave, de toute façon on s'y attendait. Est-ce que Kenny va pouvoir réussir à exécuter ce robot? Et non, il se prend un smash et on se retrouve à 2 stocks à 1. Dasher, bon bah, même si l'ambiance, je vous avoue, n'est pas au tryhard, on a quand même un match très dynamique qui se joue sous nous. On aurait pu avoir un Ditto Steve, donc on n'a pas vraiment à plaindre sur ce côté-là. Pour l'instant, on a, voilà, après ça va, c'est un spectacle au moins qu'on retrouvera une seule fois plus ou moins en braquette, donc on se fait plaisir avant d'aborder des trucs un peu plus sérieux.
Luigi qui, voilà, on entend des persos le raciste, on connaît, hein. Voilà. Un Down Smash qui a pu passer, mais qui a pas suffi. Est-ce que... Non. Il y a de l'effort de côté. Ça tente des trucs, mais... Et voilà, Luigi qui passe. Est-ce qu'il y a la musique d'intro de Brawl? Oui, elle y est. Ouais, elle y est. Elle peut être jouée dans les menus, mais je pense qu'elle peut jouer in-game. Mais en attendant, on rigole, mais là, Kevin qui trouve une solide phase. Bon, Donby de Luigi de Dasher en désavantage, on connaît également. Est-ce que Dasher vient le chercher? Ça marche avec le Donty. Est-ce qu'il a gardé son saut? Il a pas gardé son saut. Dommage, parce que sans rigoler, même si l'ambiance s'y prêtait pas, c'était pas loin. Kenny aurait pu prendre le set, mais bon. Voilà, BTDR, j'ai pas d'autres commentaires plus... Mais c'est ça. Tu veux rapporter un set?